Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, même si j'ai fait une énorme gaffe. J'ai fait une vidéo et comment dire que ça a enregistré le mauvais écran, là où il ne se passe rien. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, cette vidéo elle a déjà été réalisée, mais en fait, je me voyais pas la refaire dans le sens où mes choix auraient été, je pense, quasi identiques. Deuxièmement, je me voyais pas vous mentir en faisant genre que. Enfin, voilà, c'est pas mon genre de faire genre. C'est pas mon genre de faire genre. C'est très très poétique, c'est très français. Alors, comment dire? Que du coup, enfin voilà, je sais pas faire semblant. Voilà, j'allais pas faire semblant en retournant une vidéo et en faisant genre surprise quand je vois un truc qui allait bien. Alors, c'était en fait un défi où je devais créer une tenue à 1000 Starcoin maximum. Et du coup, bah, je l'ai créé parce que la Madame Toit la porte, même si elle la porte parmi ses autres choses qu'elle portait déjà avant. Mais du coup, je voulais juste vous montrer quand même. Parce que moi, ça m'a un petit peu vénère. Voilà, j'étais pas contente quand j'ai vu que ça avait mal fonctionné l'enregistrement. Parce que j'étais là, oh non, mince, franchement, je me voyais pas, voilà, vous mentir, vous faire genre. Je suis désolée, mais du coup, ça sera pas forcément aussi intéressant que ça aurait dû l'être. Mais je voulais tout de même quand même vous montrer mon look du défi de Mister Coin. Alors, en gros, sur quoi j'étais partie, c'était sur les cheveux. Et j'étais allée dans les dernières pages. En plus, je vais devoir retrouver les affaires. Mais j'étais allée dans les dernières pages. Alors, en fait, c'était la chevelure là qu'elle porte. Et elle coûtait, je crois, 305. Non, 400 Starcoin, je crois. 400 Starcoin. Il me semble, je ne sais même plus. Ou un peu moins cher. Parce que je ne trouvais pas forcément pas cher. Et les seuls trucs les moins chers, franchement, que je trouvais, j'avais dit comme quoi c'était à la limite pour le challenge à 500 Starcoin. Parce que oui, il y a des gens qui ont fait le challenge là à 500 Starcoin. Le défi 500 Starcoin. À la limite, je peux comprendre qu'ils prennent ce genre de choses. Enfin, ce genre de choses. Ouais, carrément, là, j'appellerais même plus à des cheveux, lol. C'est normal. C'est normal. Pas le choix. Mais pour le défi Mister Coin, on peut quand même se permettre de prendre quelque chose de bien quand même. Alors, je suis désolée. Ah, normalement, on y est bientôt. On y est bientôt. Ouais, j'avais dit genre ça. Vous voyez, genre ça. C'est typiquement le genre de choses à limite pour le défi à 500 Star Coin. T'as pas le choix, hein. Mais pour le Mister Coin, on n'allait pas prendre ça. Il y avait un autre truc encore pire. Par contre, il coûtait combien? Ah oui, au début, j'avais hésité à prendre ça à 350 Star Coin. Et je me suis dit, à un 50 Starcoin près, autant prendre quelque chose qui est pas mal. Donc, c'était pas ça. C'était pas ça, ça doit être peut-être quelque part vers là. C'était une coupe. Bah, celle que vous voyez juste là. Aïe. Bah, elle est ouf. Ben, elle est ouf. Et bah, super. Ah, c'est bon, ça y est, voilà. C'est celle-ci. Et du coup, je l'avais pris en sorte de beige blanc. Voilà, un bon blanc platine à 400 Starcoin, d'accord. Parce que j'avais décidé également que pour ce défi, je n'allais pas acheter les objets qui sont à moins 50%. Parce que oui, il y a encore des choses à moins 50%. Et ça, c'est... Voilà, enfin... Pour moi... Attendez, j'enlève ça aussi. Pour moi, ça a été un petit peu de la triche parce que dans certaines... Enfin, à certaines époques de l'année, il n'y a pas de promotion et du coup pour le défi autant le faire bien comme il faut mais du coup ouais, là, si vous regardez un petit peu les prix vous voyez la coiffure là à 400 Starcoin elle vaut bien des coupes à 500-600 Starcoin, vous voyez je la trouve belle pour le prix qu'elle est du moins. Voilà, donc ça c'était pour la coupe que j'avais choisie. Ensuite j'étais partie sur une robe parce que je me suis dit qu'un haut plus un bas ça coûterait plus cher qu'une robe. Mais j'ai même pas vérifié en fait. En vrai, ça se fait un t-shirt simple. Non, ouais, puisque la robe, je l'avais mis combien? Parce que je sais que mon total look, il était, je crois qu'il était à 375, la robe que j'ai choisie. Du coup, il faudrait trouver un truc qui vaut 100 et 100 hein, pour le haut et le bas. Mais laissez la Madame Toilette faire sa vidéo, voyons.
Bon, les messages madame toilette, ce sera dans une autre vidéo. Hein. Là, c'est vraiment parce que je ne pouvais pas utiliser Kerzel. Mais vous voyez, rien que le t-shirt, ça coûte aussi cher qu'une robe. Et du coup, ben, je suis partie directement dans les robes. Et là, au début, j'avais hésité à prendre ça. Je me suis dit, ouais, c'est simple, ça passe. Mais c'est un peu trop cher. Du coup, un peu plus loin, j'ai trouvé. De toute façon, là, je vais assez rapidement me repérer, je pense. C'était assez dans les premières pages. Je fasse attention parce que là c'était assez rapide, j'avais fait mon choix rapidement. Parce qu'après ouais je me rappelle, j'avais trouvé que ça c'était moins cher, du coup j'avais cliqué dessus. J'étais descendue en bas et j'ai trouvé une robe qui était encore moins chère. Parce que là c'est que des jupes. Moi j'avais mis ici. Ah oui c'est normal, c'est parce qu'ici j'avais mis robe aussi. Donc là j'avais descendu et j'étais tombée bah, sur cette robe là qu'elle porte juste à gauche. Franchement, je suis pas allée chercher plus loin hein, parce que bah là j'avais hésité, mais je me suis dit ouais c'est pas, enfin j'aime pas trop quoi. C'est bien pour être à la maison et tout. Ou je sais que il y a beaucoup de personnes âgées qui aiment bien porter ce genre de. Oui, c'est beau quand même. Hein, je dis pas que c'est moche, attention. Mais qu'il y a pas mal de personnes âgées qui aiment bien porter ce genre de petits froufrous, ce genre de petits pulls. Et du coup, j'avais pas aimé. Enfin après, c'est chacun ses goûts. Hein. Si vous aimez, bien sûr, il y a pas de problème. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est ma robe? Ah, voilà, c'est celle-ci. Et celle-ci, je l'avais choisie en bordeaux parce que je voulais casser le look un peu trop blond, un peu trop... voilà, trop propre, trop pas assez coloré, trop unicolore. Et du coup, je suis partie sur le bordeaux. Je trouvais que ça rendait bien. Et pour les chaussures, franchement, les chaussures... Alors, j'ai galéré parce que, vous voyez, il me restait plus que 225 Starcoins pour finir le look. Et bon, pour moi, tant qu'elle a des cheveux, qu'elle est habillée et qu'elle a des chaussures, ça passe. Quoi, pour moi, le défi est réussi. Après, dites-moi, vous, si vous pensez que j'ai réussi le défi ou pas. Mais attendez, les chaussures... Bah, au début, j'avais cliqué sur celle-ci. Mais j'ai trouvé moche. Peu importe la couleur que je leur mettais, je trouvais que ça allait pas. Et je descendais en bas et je suis tombée, bah, du coup, sur celle-ci. Et celle-ci, j'ai juste changé une couleur. J'ai mis ça en bordeaux pour que ça fasse un petit rappel avec la robe. Et j'ai laissé en blanc. Et écoutez, j'ai quand même fait un petit peu, enfin même beaucoup, le tour des pages suivantes. Franchement, je suis allée loin dans les chaussures. Parce que je pensais vraiment que trouver des petites sandales, etc., ça n'a pas coûté cher. Et même, j'ai trouvé des tongs à plus de 300 Starcoins. Des tongs, les gars! Des tongs, lol! Le truc que t'achètes à 2€ au babou. À 500 Starcoins sur MSP, merci beaucoup. C'est pas très logique, mais c'est pas du tout même logique. Franchement, les petites paires de tongs toutes simples, hein, elle était même pas sophistiquée ou quoi, c'est vraiment tout simple. Et je ne pouvais, enfin, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas assez d'argent. Mais bon, d'un côté, tu me dis les baskets c'est mieux que des tongs, mais bon, au début, je voulais peut-être mettre un petit accessoire, voilà, pour faire genre. Mais là, clairement, je pouvais plus parce que là, mes Starcoins étaient bloqués, bah oui. Mais là, si vous regardez au niveau des accessoires, je voulais peut-être mettre un genre un petit collant ou une petite... au moins un collant, quoi. Y a pas, en plus, ils ont même pas le truc ici collant, quoi. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Je pouvais même pas lui mettre de blush, même pas de piercing. Là, franchement... Et encore, à la limite, j'aurais pu économiser un petit 100-150 Starcoin en essayant de trouver moins cher. Mais c'est compliqué. Alors, dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez de ce look à Miss Starcoin. Je trouve qu'il passe. Je trouve qu'il passe. J'aime bien. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous voulez que j'essaye. Et je dis bien essayer parce que, franchement, à la limite, celui-là, je pars du principe que j'ai réussi le challenge. Mais le défi à 500 Starcoin, franchement, là, j'ai galéré. Mais deux fois moins d'argent, c'est deux fois plus de recherche, deux fois plus de problèmes pour trouver également. C'est la galère, et en tout cas moi également je prie pour que cet enregistrement ait bien marché. Normalement j'ai vérifié pour une fois juste avant, mais je prie pour que ça fonctionne, voilà, je prie. Mais là franchement, même des collants, regardez. Je n'ai plus rien à dire, voilà, 325 Starcoins pour des collants. Non mais lol, non mais lol. C'est pas adapté à l'objet, quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont mieux et coûtent moins cher. Mais bon, vous voyez, je ne pouvais même pas me permettre de mettre un accessoire. Mais bon, ça, c'est comme justement le nom l'indique, c'est accessoire, c'est obsolète, ce n'est pas obligatoire. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de mon look. Dites-moi si vous voulez que j'essaye de faire le défi à 500 Starcoin.
Et bah, n'hésitez pas aussi à m'envoyer, que ce soit sur Insta ou Discord, si vous vous faites le défi, m'envoyer le look de votre movie star, hein, sur bah, du coup Discord ou Insta. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao.